From building roads and bridges to launching innovative businesses in Gabon's special economic zone, Chinese enterprises and investors are now being praised for helping boost and diversify the local economy. Avec les Chinois, nous nous entendons bien, bien qu'il y a certains qui ne parlent pas bien notre langue, mais ça va. On se comprend avec la gestuelle. Bon, non, j'ai l'appris ici sur le terrain. Donc je suis arrivé, je ne connaissais pas. Il y a des anciens qui m'ont appris. The timber processing factory is located at the Ngoc Special Economic Zone. About 24 Chinese-funded enterprises have been setting up their businesses here, creating job opportunities and vitalizing local economic activities. Et elles se matérialisent véritablement ici également depuis près de 10 ans à la zone économique de Ngoc. Donc pour nous, les opérateurs chinois ou à capitaux chinois plutôt, devraient s'installer et intensifier leur installation au sein de cet espace économique, notamment dans les secteurs donc pour lesquels nous diversifions aujourd'hui les activités. Les investissements chinois sont efficaces et appréciés par la population. Si vous allez du côté donc dans la ville, notamment, vous allez voir beaucoup d'infrastructures qui sont réalisées par des investisseurs chinois. Que plus leur économie est stable et en croissance, plus elle tire les économies des autres pays en avant, dont le Gabon. China has remained Gabon's largest trading partner for 9 consecutive years. In 2022, the trade volume between the two countries reached $4.55 billion, an increase of about 50% from the previous year.